saxophoniste, avec Mitchell Foreman au clavier, Gary Willis à la basse, Tom Brechlein à la batterie, et dont s'inscrivent d'ailleurs sur votre écran. Wayne Shorter, qui fut découvert par Art Blakey, c'était à l'époque des Jazz Messengers, que l'on a ensuite entendu avec Miles Davis. Il fut le co-leader de Weather Report. Weather Report n'existe plus. Joe Zawinul court sa chance de son côté, Wayne Shorter la sienne de son côté avec ce nouveau quartet. Wayne Shorter aussi, a remarqué, est un des très très grands compositeurs du jazz contemporain, et je pense que ce n'est pas là un de ses moindres atouts, et je vous propose de le suivre dans une chanson qui a été adaptée en français par Claude Nougaro. Thank you.
Et la Bête, une composition de Wayne Shorter adaptée en français par Claude Nougaro qui en a fait un hommage à Edith Piaf.
Wayne Shorter, compositeur assez extraordinaire, saxophoniste soprano encore plus remarquable peut-être, puisqu'il est un des très rares à ne pas imiter dans la sonorité, même dans le phrasé de John Coltrane. Et il avoue franchement, son idole au soprano, c'est Sidney Bechet. En quartet, avec notamment l'étonnant Mitchell Foreman au clavier. La pièce suivante. I like what Duke Ellington said for writers. Maybe like Irving Wallace or somebody asked him, what's your favorite book? He said, the next one. Et là, il nous raconte une histoire que Duke Ellington racontait fréquemment. On demandait à Irving Wallace, auteur américain célèbre, quel est le bouquin que vous préférez dans ce que vous avez écrit. Il disait, c'est le prochain. Et alors, il dit, c'est la pièce que je vais interpréter maintenant, que j'aime bien, qui s'appelle Faith on the Barroom Floor. Wayne Shorter en quartet. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Avec le quartet du saxophoniste Wayne Shorter se termine cette retransmission. Wayne Shorter avec notamment Mitchell Foreman au clavier. Demain, nous nous retrouvons encore une fois sur le...